Bonjour à tous et bienvenue pour cet épisode 3 du Let's Play sur le serveur TerraCube de Jotty Dreams. Et pour cet épisode, ça va être du lourd, ça va être du très très lourd. Il y aura beaucoup d'aménagements. Je vais accélérer le pas parce que j'aimerais bien finir les petits aménagements que j'avais prévus pour l'épisode 2 de la série RP sur TerraCube. Donc pour ceci, voilà. Comment j'ai gueulé. J'ai rasé tout ce mur, tout ce côté-ci parce que je vais faire des petits pontons. Ce sera le petit port de pêche, ce côté-ci. Comme vous pouvez voir, j'ai fait un petit test de pattern pour une petite tour et je vais essayer de la peaufiner un petit peu. Je ne l'ai pas centré par rapport à ce bout de Moria parce que à la longue ça va disparaître et je vais réaménager, je vais sécuriser la zone différemment. Pourquoi ce PNJ se met toujours ici? Bon, je sais pas. De toute façon, en fait, ça me permettait d'économiser un peu de la place ici pour pouvoir passer parce que sinon, la place, sinon, c'était tout au petit chemin. Après, c'est vrai que cette maison va pas partir, donc ça se trouve, en fait, il y aura des bouts de terre qui vont. Je pourrais peut-être réaménager la route en fonction de mes besoins. Et donc, ici, il aura apparaît une tour au niveau de cette pointe là qui permettra de protéger en fait protéger la zone, puisque après tout ça c'est l'accès du port. Peut-être ici au milieu je mettrai une autre tour ici, ouais, comme ça au centre il y aura ici là un autre on va faire comme une tour ici pour un petit milieu et puis là et puis entre il y aura un petit muret ou un truc, enfin je verrai. Donc déjà vous pouvez voir que j'ai plus de bouffe, donc je vais aller me chercher un petit peu de nourriture. Alors je vais utiliser mon champ, donc je vais prendre tout ceci, voilà, je vais prendre tout ce blé, je replante après et puis voilà, donc on se retrouve juste après. On va commencer un petit peu la décoration, enfin pas la décoration mais la construction du petit port de pêche et peut-être même un petit bateau. Allez. Et voilà, j'ai tout cassé, j'ai tout replanté, et j'ai une tonne de pain. Oh, j'avais pas vu que j'avais deux stacks. Ouf, deux stacks 10. Oui, quand même. En même temps, c'est vrai, c'est vrai que c'est vachement utile, un truc comme ça. Au départ, c'était que la déco, mais c'est vrai que c'est utile. Donc, qu'est-ce que je voulais faire? Ça repousse un peu chelou. Ah oui, donc en fait, voilà. J'étais en train de réfléchir à comment j'allais faire mais les plans de ville, et c'est vrai qu'il y a quand même pas mal de place au fait d'avoir cassé ce bout de mur. Cette muraille. Ah oui, parce que la muraille elle arrive ici, c'est vrai. Parce que la muraille elle faisait comme ça, elle coupait comme ça, hop, elle faisait comme ça, elle reprenait comme ça ici, c'était là la muraille qui faisait comme ça. J'ai du tout rosé pour faire une belle petite place, donc ici. Je pense que je vais faire un petit entrepôt peut-être. Ou alors simplement c'est pas de compte place avec un entrepôt avec ici ça sera les docks avec les bateaux. Ce côté-ci ça sera le côté pêche, donc là ça va transformer en cabane de pêche. Ici ça sera le marché. Comme ça sera nickel en fait. Il y aura des maisons dessus, là ça sera le marché, juste à côté du port, puis c'est à côté quoi. Genre ils vont là, ils font la route principale, après ils vont ici le chemin. Puis ce sera le marché là. Et en fait, ici, je vais faire une petite petite porte, un petit accès secondaire. Je vais faire une route ici, un beau petit chemin, parce que là, avec les arbres et tout, je vais tout retirer. Pour rejoindre simplement cette zone. C'est ça que j'ai pas montré dans l'épisode encore, cet endroit là. C'est la colline magique. Ce sont des arbres de witchery que j'ai eu en butant les Ents maléfiques, parce que quand on a des arbres comme ça qu'on coupe, en fait, il y a des Ents qui gardent la forêt, qui nous attaquent parce qu'on a rasé la forêt. Et du coup, en les butant, ça drop en fait d'autres arbres de witchery, donc j'ai eu cet arbre-là. Et puis l'autre qui se trouve en fait à côté du temple, au pied du temple que vous avez déjà vu. Et donc, cette zone ici, là, elle trouve en fait... Voilà, c'est là où on n'a pas de végétation, tout simplement, ce sera l'énorme tour de mage. Et en dessous, dans les sous-sols, ça sera les petites salles
où il y aura les cercles d'incantation, donc leurs différentes tailles pour différentes tailles de cercles d'incantation. Ça va être super. Et ici, tout au bout de la presqu'île, c'est vraiment la, aux limites de mon petit coin, de mon petit royaume. Ça sera le centre spatial, donc j'ai rasé toute la forêt. Voilà. Donc voilà, j'ai rasé les deux petits arbres, et ça me donnait oh, quand même pas mal, hein. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 7 stacks de bois de chêne. C'est parfait, c'est génial. Donc de toute façon, où c'est par là? Oui, c'est par là. Ça va être extrême, le dock seront simples, hein. On va faire les petits docks vite fait. Alors on y va. Ah ben, voilà, c'est là. Au niveau de la largeur, je pense que je vais faire le dock ici, un petit dock qui va aller tout le long pour le côté pêche. Et puis là, c'est vraiment le côté port avec les bateaux. Quoi, peut-être pourquoi pas des bateaux qui vont aller ici. En tout cas, je vais faire, je pense, un espèce de petit muret, je pense, pour vraiment séparer le côté, bah, cette zone où il y aura le marché. Un petit muret ici pour séparer vraiment des docks. Et puis là, ça sera ouvert comme actuellement, quoi. Donc ce que je vais faire, c'est que ça fait une épaisseur de... On va faire une... Genre une. Une, deux, trois. Et comme ça. Voilà. Est-ce que je relie... Non, je vais pas le relier là. Je vais laisser comme ça. Donc je vais faire ça, une épaisseur, enfin un écartement entre les deux poteaux de 3 ici. Et là, on va faire de 3 ou de 3 ou pas? 1, 2, 3. Ah, si je me cours. De 3, ouais. Je pense que je vais faire genre un segment et puis je vais les répéter après tout le long. Ça sera peut-être plus simple. Donc comme ceci. Là, pareil, on va rajouter alors ici normalement, voilà, comme ceci. Voilà. Oh, on peut même peut-être. Ouais, je vais même peut-être faire ça comme ceci. Bûche comme ça pour mettre ensuite des escaliers à l'envers ici. Vous allez voir, ça va être super sympa. Donc, bah, j'avance ce dock et puis on se trouve un petit peu plus tard. Je m'approche du rivage, mais que vois-je au loin? Oh, les chunks qui ne cherchent pas. Oh, un petit port en construction. Oh, et un villageois qui tombe dans l'eau. Bon, allez, viens là. Toi, c'est quoi, c'est qui lui? Alors, suis-moi. Allez, viens. Téléportation, je t'ai dit, suis-moi. Téléportation. Tu peux me suivre au moins? Oh là là, des fois ça marche une fois sur deux, c'est un petit peu énervant. Allez, ah voilà, téléportation. Oh, mais c'est un prêtre! Ouh! Un prêtre qui a une vraie tenue de prêtre en plus. Parce que des fois ils n'ont pas vraiment une tenue. Des fois ils ont une tenue chelou, un peu les PNJ. Enfin bref. On se retrouve donc. Vous pouvez voir que j'ai fini tout le ponton. Je mettrai des bits d'amarrage plus tard. Damarrage, hein, damarrage. Plus tard. Faut que je vois qu'est-ce que je mets en pierre ou est-ce que je mets du cambois ou alors en fer. Enfin, je mets des. Ou ouais, enfin, je verrai. Et donc je vais avancer la construction de ce magnifique port avec, comme vous pouvez voir, en fait au sol il y a des emplacements, des rectangles. Qu'est-ce que c'est? J'ai agrandi aussi un peu la route ici, ce bout de chemin. Et pourquoi j'ai fait ça? Je viens de me rendre compte qu'il y a un truc que j'ai complètement oublié. Pourquoi j'ai fait ça? Tout simplement parce que ça sera l'emplacement de hangar. Voilà, je cherchais le mot et je cherchais mes blocs. Je prends ça. Moi j'ai pas de... savez quoi? Mon téléphone qui il est où? Ah bon, je reviens. Ok, donc le serveur s'est coupé au moment où mon téléphone a sonné. Super, parce que oui, en fait, c'était mon réveil de 10h. Et comme le serveur redémarre à 10h, du coup, ça a coupé. Du coup, je vais directement commencer à faire ça. Alors, je vais vous poser du brick. Je vais vous montrer juste un petit peu le, enfin, juste le début du pattern. Vous montrer comment je vais faire. Pour le rez-de-chaussée, je vais mettre de la brique parce qu'il faut que ce soit assez solide parce que ce sera des bâtiments un peu plus haut, enfin si haut. Et pour éviter qu'on rentre facilement, qu'on casse. Enfin, qu'on rentre facilement pour voler les marchandises, des trucs comme ça. Donc, on va commencer déjà par faire ça comme ceci. Ça fait combien ici? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ici, 3. Voilà. Ou alors. Oh non, parce que de toute façon, j'avais pensé à un truc, mais non, ça va pas le faire. Ici, pareil, là, comme ça. Quitte à casser ce... Oh, quoi que non, de toute façon, non. Parce que bon. Hop, hop.
En gros, les murs, ils seront là. Voilà. Comme ceci. J'en ai déjà plus, hein, j'en ai que 15. Pas sûr que j'aurai assez de briques en fait. Peut-être aller en chercher après. Et puis ici, ça fait 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 9, 9, 9. Et si je mets 3. À 3 à un côté, puis 2 de l'autre. Ça dérange pas. Ou 3 au milieu directement. Attends, ben oui, je mets 3 au milieu. Voilà. 3 comme ça au milieu et puis 2 sur les côtés. Oui, voilà, c'est très bien comme ça. C'est vrai que par rapport à mes autres bâtiments où j'ai cassé un petit peu. Quoi que, ouais, c'est une base à chaque fois 2-3. C'est juste qu'en fait, en haut, c'est les trucs sont un petit peu différents. Sauf cette maison, j'ai fait comme ça, mais je vais peut-être la modifier. C'est vrai que même là, on peut voir que ça fait une base de 3 à chaque fois pour les poteaux, mais qu'après, ça fait comme une grande arcade ici. Une petite, c'est à la fois c'est jusqu'au milieu, ça reprend, enfin ça on courbe ici, enfin bref. Ouais. Ouais. Et du coup, hop, je vais monter les murs, on va faire juste, 3 de haut, hein, comme ça, ça suffit largement. Alors peut-être que, le rez-de-chaussée, ça sera peut-être du coup les réserves. Et peut-être que je vais faire au rez-de-chaussée. Non, au rez-de-chaussée plutôt, c'est les. Oui, c'est là les réserves de marchandises. Et puis peut-être qu'aux étages, je ferai des habitations. D'où l'espèce d'arcade qui serait au-dessus. Genre, ça sera un peu de chemin, de couloir au-dessus de la route. Enfin bref. Vous allez voir, ça sera sympa. Alors, je n'ai plus de. Je n'ai plus de ça. Comment je vais faire? Est-ce que pour les courbes, je fais des courbes. Ah, déjà, on va monter ça comme ça. Ou alors, pour les courbes, je vais vous montrer un petit truc. Je vais peut-être, dans ce cas-là, les faire monter comme ceci. Hop. Hop. Là, c'est une courbe à la limite un peu plus haute comme ceci. Voilà. Alors, je mets le bûche de ce sens-là pour qu'on a vraiment l'impression. Non, j'ai d'abord coupé le surplus de bois. Pour vraiment donner l'illusion que ça fait une courbe comme ça, mais peut-être que ceux-là je vais les mettre dans le même sens, comme si que le bois était courbé dans un sens et pas juste une accumulation de bûches comme ça. Voilà, ça on a un peu plus l'impression que le bois est courbé comme ça. Et ici Et si je faisais comme ça, et là comme ça, et du coup, ça je casse. Comme ça, ça fait une demi-courbe comme ça. Ah ouais, j'aime bien comme ça, ouais. Je vais faire ça. Donc, je rajoute mes deux bûches. Après, pour les étages, je pense que je vais prendre du bois, un peu comme pour cette maison-là, je pense. Pour ces maisons-là, je vais prendre le même bois comme ça, donc ce sera des patterns un peu pareils. Voilà, maintenant que j'ai la base en fait du pattern, surtout au niveau des courbures des coups des poutres, ça va m'indiquer la forme de la structure, parce qu'après par logique évidemment je vais peut-être monter les deux poteaux ici pour continuer une courbe ensuite au-dessus. Avec une fenêtre sur les côtés. Enfin, je vais faire une forme un peu sympa. Donc, je finis ça, les deux hangars, et puis ensuite on va s'attaquer à un petit bateau. Voilà. Et on se retrouve donc. Pour moi, ça fait plusieurs jours, et pour vous, ça ne fait que quelques minutes. Une minute même pas, enfin, ça fait un instant. Donc, j'ai avancé le port, j'ai fait des. D'accord, j'ai fait les deux premiers bâtiments et on commence à les voir apparaître au loin. Oh, wow. Alors déjà, on peut voir déjà que j'ai des petites plantes comme ça, c'est beau. Non, rien à voir. Donc, j'ai rajouté ces deux bâtiments.
Donc pour le premier, j'ai gardé une structure un peu semblable, enfin au niveau des couleurs semblables aux autres maisons que j'avais fait. C'est pour le hangar, en fait, ça sera ici où on va stocker quelques ressources. Et peut-être ici, pareil, je vais mettre quelques ressources à stocker pour cette zone. D'ailleurs, j'ai oublié de mettre une fenêtre ici, mais j'ai oublié de mettre. Ouais. Elle est trop dans le sol. Donc, ouais, j'ai oublié de refermer cette fenêtre ici ou cette cloison, je sais pas. Donc, il y aura ici quelques réserves. Ici, on pourra mettre des réserves aussi, de marchandises. Voilà. Donc, j'ai décidé de faire l'étage avec du bois. C'est du bois de cerisier, normalement rose foncé, mais ça fait un rouge. Ça fait pratiquement rouge. Ouais, ça fait même un rouge, hein. Ça fait un rose foncé très 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 foncé, ça fait ouais, pratiquement rouge. Bref. Et puis à un côté, j'ai pris un bâtiment, comme vous le voyez, avec du bois bleu. Et le bois bleu, en fait, ce bois bleu, je sais pas c'est quoi le nom de ce bois-là. C'est ouais, de bois d'arbre magique, en fait. C'est un arbre que je cherchais depuis un long moment parce qu'au départ, je voulais utiliser ce bois bleu, ces dalles, ces escaliers pour faire les toitures de mes maisons. Donc finalement, j'ai fait en violet parce que j'ai pas trouvé de biome avec ce bois-là. Sauf que Lilo a trouvé un biome. Je crois que c'est le week-end dernier ou au début de semaine dernière. Non, début de semaine parce que le. Au dit bon, enfin bref. Il y a plusieurs jours. Et du coup, elle a donné les coordonnées. Je suis allé chercher quelques petites pousses, quelques bois. Du coup, c'est pour ça que je fais pousser un peu de bois ici. Pour faire une maison bleue, en gardant le même style d'architecture, mais juste en modifiant les couleurs. Tout simplement parce que je me suis dit, on est du côté bois, donc il y aura quelques petits bateaux. Et donc, ces bateaux seront peints. Évidemment, on restera utiliser du bois de couleur pour faire comme si qu'ils étaient peints, et du coup, le surplus de peinture est utilisé pour peindre les maisons qui sont au bord des docks, comme la plupart des maisons qui se trouvent en fait au bord de mer. Comme je crois que c'est. Je sais plus où. Enfin, bref, je sais qu'en Méditerranée, il y a beaucoup de maisons. Beaucoup de villes portuaires où les maisons sont très colorées parce qu'ils réutilisaient la peinture qui était en trop pour les bateaux pour peindre les façades des maisons. Et donc on se retrouve finalement, j'ai trouvé un pattern un petit peu plus intéressant parce que c'est vrai que là le début de ma barque était pas super belle. Et donc je vais le faire directement. On dirait au bord du quai ici donc. Alors oui, ça sera au-dessus de l'eau, ça fera un peu bizarre. Au pire, je rajouterai des blocs en dessous, au pire. Donc, on va faire une distance comme ça, voilà. Donc, comme ceci. J'ai juste à couper ça, voilà. Et ensuite, il me manque plus qu'à compter. Alors, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Le dixième, après, si on met une dalle comme ça. Voilà. Ici, 1, 2. Donc ça fait 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, voilà. Une dalle ici. Ici, ce sont des escaliers dans l'envers dans ce sens. Escalier à l'envers de ce sens-ci. 1, 2, 3, 4, 5. J'en ai plus. Alors pour ce petit bateau de pêche, je vais utiliser trois couleurs. Donc comme vous pouvez voir, j'ai pris j'ai des pousses de palmiers. C'est pas très loin quand je vais là-bas. Dans ce sens-là, j'ai des petites îles. Donc il me faut des planches de palmier, donc avec des escaliers de palmier pour pouvoir ce côté-ci. Comment j'avais fait déjà? Normalement c'est comme ça. Hop, hop. Tout simplement parce que en gros c'est la coque qui est la partie de la coque qui est à peu près au niveau de l'eau est rouge, au-dessus vraiment pour la bordure c'est une autre couleur. Et il me faut des dalles, hop. Donc on va mettre des dalles comme ceci, et ici normalement c'est une dalle, ouais. Une dalle, et je vais mettre par la suite un escalier dans ce sens, voilà, super. Donc évidemment, je vais reprendre le même pattern pour les autres bateaux de pêche, sauf que ben ils seront un petit peu différents quoi, avec des deux couleurs différentes. Donc celui-là comme ceci, et là, et là, et là, et là,
Si je me souviens bien, là derrière, c'était comme ceci. Je me souviens plus. Bon, on va tester, hein. Je sais plus, je sais plus. Donc ça, je casse. Voilà. Ça, je casse. Voilà. Donc, il ne me reste plus qu'à rajouter ces... Voilà. Ensuite, les escaliers. Un autre escalier à l'envers. Voilà. C'est nickel. Et est-ce que je suis trompé? Non, c'est bon. Donc voici la forme globale du bateau, de la coque du bateau. Je vais juste rajouter derrière, on va rajouter ceci, avec ceci, voilà. Oui, on prend ce bois-là. Alors par contre, est-ce que je vais... Oui, je vais rajouter directement en dessous des blocs. Alors déjà, ah oui, et pourquoi pas rajouter un bloc comme ceci, de bois de chêne ici. Et puis tout le long, on va mettre... Voilà. Au moins visuellement. Moi, je fais que des blocs, hein, de toute façon. Voilà. Visuellement, c'est vrai que ça donne l'illusion que le bateau est à moitié dans l'eau. Enfin, bref, voilà. Et je mets des blocs pour éviter qu'il y ait des bugs d'eau. Donc, je vais laisser comme ça. C'est pas... Au pire, au pire, au pire. J'ai mal fait. Je fais n'importe quoi. Ah, je suis dans l'eau. J'ai du mal coupé, bien sûr. Au pire, comme ceci. Oui, bon, je l'ai suivi. Ouais, c'est pas mal comme ça. Par contre, j'ai plus de bois. Ouais, j'ai des petites dalles. Est-ce que ça va suffire, les dalles? Alors, attendez. Je me souviens plus. Est-ce que... De quel côté? Alors, c'était... Ah, quoi? Ok. À ce niveau-là. Voilà. Par contre, j'ai à nouveau plus de bois. Ah, c'est vrai. En même temps, je suis trompé parce que ici, normalement, au milieu, c'est du bois comme ceci. Enfin, du bois de chêne, en fait. Et ici, non, ici c'est du bois de cerisier. Ici du bois de chêne. Voilà, parce que c'est au-dessus, on n'a pas besoin. Hop. C'était combien? 2 ou 3 ici, donc c'est d'accord. Ok, c'était 3 qu'il fallait que je rajoute. Je rajoute 3 autres. Et voilà. Donc comme ça, de loin, on a vraiment l'impression que le bateau ne flotte pas au-dessus de l'eau. Donc voilà, donc je vais ensuite faire la cabine au-dessus. Par contre, pour la cabine au-dessus, il faut que je crafte des portes. Donc je vais me chercher les portes, je vais les crafter vite fait. Ok, donc on se retrouve un petit peu plus tard. Donc j'ai fini de faire ce petit bateau. J'ai rapporté quelques petites modifications légères. Donc j'ai mis des petites caisses pour simuler un peu, pourquoi pas, des espèces de... Vous savez, des espèces de piège à poissons, simplement, c'est une espèce de petite caisse où les poissons se piègent dedans. Donc j'ai simulé avec des caisses comme ça et j'ai fait un autre petit bateau là-bas et j'ai mis un PNJ où je lui ai attitré le bateau comme habitation. Donc avec les portes, voilà. Donc j'ai modifié un petit peu les couleurs, mais je trouve que ça se marie assez bien avec le blanc, le vert, puis le bois foncé comme ça. Et puis là, on peut voir des petites caisses qui flottent. C'est là les caisses en gros. Où les poissons peuvent se piéger dedans, on peut imaginer qu'il y en a pas et que le poisson rentre. Ça fait comme se mettre dans le tournoi et qu'il ne peut plus ressortir et qu'ensuite il suffit de récupérer les caisses. Et pourquoi lui il va sous l'eau? Ok, je lui dis de se balader, mais bon, de toute manière, normalement la nuit il se retéléporte en fait ici au milieu parce que je lui ai attitré sa maison quand il était au centre ici. Donc normalement c'est bon. Donc. Bon, il va faire sa petite vie, il va aller pêcher. Hein. Donc voilà, c'est ainsi que cet épisode se termine. J'espère que ça vous a quand même plu. J'ai quand même pas mal avancé. La prochaine fois, je ferai tout ce quartier-ci avec le marché. Peut-être commencer à faire quelques aménagements, rajouter des maisons supplémentaires. Je ferai la route de ce côté-ci et pourquoi pas, je commencerai à creuser pour aller jusqu'à la zone ouest. Donc voilà. Voilà, donc c'est sur le petit bateau de pêche que le pêcheur est parti dans l'eau. C'est ainsi que je vous dis à bientôt. On se retrouve donc la prochaine fois pour l'avancée de la cité. Je vous fais à tous des gros bisous. À la prochaine. Bye bye.